Bonjour à tous, bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette vidéo sera un haul maquillage et mode. Donc nous allons commencer tout de suite avec la mode et nous allons commencer chez Stradivarius. Il faut savoir que ces achats ont été réalisés sur plusieurs fois. J'ai tout d'abord acheté ce magnifique blazer bleu que vous verrez beaucoup mieux en try-on. Je l'ai acheté en taille S. Il coûtait 29,99€ et je sais plus à combien il est passé car il est en promo. Je me suis acheté cette jolie robe pull grise à col roulé. Elle est trop trop belle. De base elle était à 39,99€, elle est passée à 15,99€. Je me suis acheté ce joli petit haut. Il est donc camel avec des boutons sur le devant. C'est pas une matière qu'on peut porter dehors comme ça en plein hiver. Et je l'ai pris en taille S. Il était à 12,99€ et il est passé à 5,99€. J'ai aussi également racheté ce petit top nuisette. Comme ils appellent ça, donc il a de la dentelle ici et il a des petits points. Pareil, je l'ai pris en taille S, il y a de la dentelle derrière avec des boutons. C'était au prix de 12,99€ et il est passé à 5,99€. Donc là, on passe dans ce que j'ai reçu hier de chez Stradivarius toujours. Donc j'ai pas essayé, donc les essais seront en direct. Le reste était déjà essayé, lavé et porté. Donc, voilà. Jolie robe kaki, comme ça. Elle est cache-cœur sur le décolleté, il y a un petit volant. Elle est super belle et de base elle était à 25,99€ et elle est passée à 5,99€. Donc vous imaginez 20€ de moins. Et toujours une taille S. Je me suis également commandé un petit top asymétrique comme ça, toujours en taille S. J'ai bien aimé et j'aime bien la couleur, j'aime bien la matière aussi. À voir porter ce que ça donne. Il était au prix de 9,99€ et il est passé à 2,99€. Après j'ai commandé ce joli top lilas, je le trouve trop bon. Et en fait vous avez un petit nœud sur le dos derrière. Pareil, en taille S. Et au lieu de 15,99€, il est passé à 5,99€. Premier vêtement de chez Stradivarius, c'est ce joli petit gilet en couleur crème. Donc vous avez trois boutons sur le devant. Et il est tout doudou comme ça. J'ai envie de m'y mettre dedans. À la place de 19,99€, il revenait à 11,99€. On va continuer avec les chaussures. Donc là voici, elle est toute noire, donc elle est bimatière. Là c'est le cuir brillant et là c'est du de la suédine avec un petit talon comme ça. Et elle coûtait de base 29,99€ et je les ai eues à 15,99€. Et pour finir, chez Stradivarius, je me suis acheté un petit accessoire. C'est un petit serre-tête avec un petit nœud. Il est un peu vert comme ça. À la place de 7,99€, je l'ai payé 1,99€. On continue chez Kiabi. Je me suis acheté un haut transparent comme ceci, mais vraiment transparent. Et sur les manches, c'est un peu bouffant comme ça là. Donc bien sûr, je ne compte pas le porter comme ça. Je l'ai déjà porté, petit top dessous. Et à la place de 10€, j'ai payé 5€. Pour chez Kiabi et le dernier article, je me suis acheté ce sweat-ci en couleur bleu-vert. Une poche et une capuche et il est au prix de 10€. Tu
suis passée à Pinky car je cherche des pantalons. Donc c'est un skinny, hein, je ne change pas mes habitudes. Il a un peu un effet délavé et usé, comme ici. Et juste ici, vous avez l'effet usé aussi sur la poche. Donc je l'ai pris en 38 et il m'a coûté 19,99€. Après, le seul article soldé chez Pinky que j'ai acheté, c'est ce petit haut et un peu vert comme ça. Vous avez déjà le prix. Et en fait, vous avez un nœud au niveau de la poitrine. Donc, il était de base à 12,99€ et il est passé à 7,80€. On passe à la catégorie maquillage. Et je commence tout de suite avec la Mercury Rétrograde de chez Huda Beauty. J'ai même pas encore enlevé le film de protection. Je sais pas si vous allez voir là. Donc, elle se présente comme ceci, derrière comme ceci. Donc, normalement, elle est au prix de 67€. Elle est passée à 46,90€. Je me suis acheté ce petit signe. Je le trouve trop mignon. Mais c'est pas pour le signe que j'ai acheté, c'est bien sûr pour le mascara. Donc, c'est le mascara Down Girl de chez Too Faced. Je l'ai payé 9,90€ à la place de 14€, il me semble. Je me suis commandé un pinceau éventail de chez Too Faced. Je voulais trop tester leur pinceau. Payé 8,97€ à la place de 30 ou 40€, je sais plus. En article hors solde, je me suis acheté le Melted Matte de chez Too Faced en teinte Strawberry Hill. Il m'a coûté 23€. En hors solde, je me suis commandé 4 petits liquides mat. J'ai commandé le 91, le 68 le 18 et le 85. Ils étaient tous au prix de 10,99€. Toujours dans les rouges à lèvres, je me suis acheté un demi-mat de chez Huda Beauty en teinte Boy Collector. Du coup, il m'a coûté 23€. Je me suis également acheté ce kit de deux rouges à lèvres de chez Fenty Beauty. Il était de base à 24€, il était indiqué à 16,80€ et je l'ai payé 10,80€ arrivé en caisse. Le site, je l'ai vu à 12€, alors je ne comprends pas pourquoi il y a une différence de prix entre le site et le magasin. J'ai acheté deux rouges à lèvres de chez Huda Beauty. Là, c'est les mattes. J'ai acheté le Medusa et le Spice Girl. Une vraie boulette. Ce matin, j'ai reçu mon colis Amazon et j'ai oublié de l'ouvrir avec vous. J'ai commandé du coup sur Amazon mes éponges préférées. Donc, c'est les Real Techniques, comme ceci. Et franchement, elles sont top. C'est mes éponges préférées. Du coup, j'en ai commandé 2 et je les ai payées 8€. Faites une joyeuse Saint-Valentin. Une bonne fête à tous ceux qui me regardent, que vous soyez en couple ou pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dimanche prochain. Et en attendant, retrouvez-moi sur mes réseaux, sur mon Instagram, La Porte de la Beauté, et sur mon TikTok, La Porte de la Mode. Et pensez à liker, commenter, partager et vous abonner. Du coup, on se retrouve dimanche prochain sur YouTube. Bisous !